Et heureuse enfin de pouvoir partager mes produits de chez Rim Makeup avec vous. Comme vous savez, ça fait un an que j'ai créé ma marque, mais je tenais tellement à les vendre ici en France. Au début, c'était un peu compliqué, mais enfin, on a pu créer la page web en français et voilà, pouvoir les vendre ici en France. En tout cas, je suis trop contente et émue. Enfin, je peux partager avec vous ma petite marque. C'est mon petit bébé. J'ai vraiment travaillé dessus pendant des années grâce aussi à l'aide de ma mère qui elle m'a beaucoup aidée et voilà je suis super contente de pouvoir partager tout ça avec vous voilà en tout cas vous dire que c'est bon il y a la page web en français enfin parce que je sais qu'au début c'était super compliqué pour vous de commander mes produits sur le site web espagnol. En tout cas, je tenais à vous dire que les lipsticks de chez Rim Makeup, ils ont été créés dans un laboratoire espagnol à Barcelone. Mon élixir de coco, que c'est un huile bio dans un laboratoire de Valence. Et mon Duplo, que c'est un exfoliant à base de coco plus un cacao à base de coco, aussi dans un laboratoire de Valence. Là, je vais vous montrer chaque produit avant de vous dire la promotion que j'ai pour vous. Comme vous avez vu dans la story précédente, je vais commencer avec le lipstick Paris de chez Rim Makeup. Vous allez voir la couleur, elle est juste magnifique. C'est un rose nude. Vous dire que mes lipsticks sont permanents. Voilà, on commence. Voilà, je vous montre la couleur. Je la trouve vraiment magnifique. C'est la première couleur que j'ai choisie pour Rim Makeup. Je tenais à chercher un rose, mais qui faisait aussi nude, qu'elle soit un peu discrète, mais en même temps très sexy. Et je trouve que la couleur, elle est juste parfaite. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, mes lipsticks sont permanents. Là, regardez, j'ai un coton. On va faire un bisou. Et il n'y a aucune tache. Voilà. Et ça tient très très longtemps. En tout cas, j'espère que vous allez adorer cette couleur. En plus, elle s'appelle Paris. C'est la préférée de ma mère. Et comme je vous ai montré dans la story précédente, là, on va commencer avec le Sahara. J'adore cette couleur. C'est un nude, mais un nude parfait, vraiment. Voilà le résultat. Regardez la couleur, elle est magnifique. Je la trouve trop belle, vraiment. Je suis amoureuse de cette couleur. Vraiment, je suis trop contente. Regardez, c'est un marron nude et comme je vous ai dit tout à l'heure, tous mes lipsticks sont permanents. Là, on va refaire la preuve de coton. Tadam. Voilà. Et aussi ici. Voilà. Je suis trop contente. Celui-ci, il s'appelle Sahara parce que ça me rappelle le désert, les dunes. Là, on va changer de couleur. On va y aller sur des couleurs un peu plus fortes. Je vais commencer avec Marrakech. Voilà, ça me rappelle Marrakech. En tout cas, je vais vous donner un petit conseil. Quand vous utilisez des lipsticks qui sont assez pigmentés comme celui-ci, le Marrakech, c'est un rouge cerise très 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 sensuel et de fort caractère. En tout cas, je vous conseille de le faire avec un pinceau. Ok, je vous montre, c'est super simple.
Et voilà le résultat. Comme je vous ai dit, c'est un rouge fort, un rouge cerise qui a beaucoup de caractère. En tout cas, j'adore cette couleur. En tout cas, j'adore toutes mes couleurs, mais j'ai vraiment voulu choisir des couleurs très essentielles pour avoir dans sa trousse de maquillage. Et celui-ci, c'était primordial. Et voilà, en tout cas, le vrai conseil, vraiment un conseil que je vous donne pour ce lipstick, s'il vous plaît, utilisez un pinceau parce qu'il va vraiment bien étaler le produit sans laisser aucune erreur. Et voilà. Et comme je vous ai dit, aussi permanent. Voilà. Je fais là. Il ne tâche pas. Et il reste toute la nuit. Marrakech. Celui-ci, c'est le Marrakech. Et là, je vais vous montrer le dernier lipstick que je pense aussi que vous allez beaucoup aimer. Et aussi le nom. Là, je vous montre le dernier lipstick qui s'appelle Ibiza. Je vais vous montrer aussi le packaging. Voilà. Rime avec une bouche. Avec le nom de chaque lipstick. Celui-là, il s'appelle Ibiza. Voilà. Et comme vous voyez, c'est une couleur fuchsia. Surtout pour l'été. Elle est magnifique aussi. Je sais que vous allez beaucoup adorer. Je vous conseille, si vous portez ce lipstick, de juste vous maquiller bien les cils et bien la bouche avec cette couleur, même avec le Marrakech. Voilà, on y va. Voilà le résultat. Comme je vous ai dit, c'est un mélange d'un rose orange plus orange fuchsia. Regardez, j'adore cette couleur. Vraiment, je suis trop contente de les couleurs que j'ai pour e-makeup. En tout cas, cette couleur pour l'été, ça donne beaucoup de caractère, même avec ce look que je porte. Et voilà, celui-là, il s'appelle Ibiza. Et comme je vous ai dit, dans chaque lipstick, il est aussi permanent. Voilà, directement sur la main. Et il n'y a rien. Nada de nada. Et en plus, ils tiennent beaucoup. Voilà, je vous ai montré mes quatre lipsticks. J'espère que vous avez vraiment aimé les couleurs. En tout cas, j'espère de ne pas m'avoir trompée. Et là, je vais vous montrer l'huile de coco, l'élixir de coco et le duplo. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais commencer avec le élixir de coco. J'en ai presque plus parce que j'en utilise presque tous les jours pour des soins de visage mélangés avec du sucre et du café pour faire un bon exfoliant. Je l'ai appelé élixir de coco parce qu'il est vraiment concentré de coco. Il y en a plus que dans les autres huiles. Je me démaquille aussi avec l'élixir de coco. J'en mets dans mes cheveux. Vous dire qu'il est bio et vegan. Il est créé dans un laboratoire de Valence. Et voilà. Et pour vous prouver que vraiment ça démaquille super bien avec mes lipsticks permanents, je vous ai bien montré que ça colle pas. Ça ne tache pas non plus. Voilà. Le seul truc, il faut chauffer au micro-ondes pendant 10 secondes, c'est tout, que 10 secondes. Voilà, on va bien mouiller. Et regardez. Voilà. Vous avez vu? Après, bien sûr, repasamos todo. Et voilà. Et en plus, c'est un produit naturel. Vous pouvez aussi vous démaquiller, enlever le mascara, la base, todo. Et voilà. Et comme je vous ai dit, il est bio et ça fait du bien dans la peau. Ensuite, vous rincez le visage et vous mettez votre crème de tous les jours. Et pour finir, je vous montre le Duplo de chez Rimmel Makeup. Alors, il s'appelle Duplo parce qu'il est composé par deux étages. Vous avez ici le cacao pour hydrater vos lèvres
Et en bas, l'exfoliant. Ok, alors normalement, on utilise premier l'exfoliant si c'est nécessaire. Et ensuite, le cacao. Mais vous pouvez aussi utiliser que le cacao quand vous voulez. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez l'emmener avec vous partout. Dans votre sac, si vous partez en voyage. Et ça vous dépanne tout le temps. Si vous voulez utiliser un lipstick, mais vous avez les lèvres un peu irritées. Ben voilà, vous mettez le cacao et si vous voulez exfolier vos lèvres, vous utilisez, c'est un exfoliant doux, ne vous inquiétez pas, ça n'irrite pas les lèvres. Et ensuite, le cacao. Et en plus, ils sont super bons et c'est bio car c'est fait avec de l'huile de coco, tous les deux. Voilà.